Ayo? Ayo? Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode sur The Messenger. Cette fois-ci, aujourd'hui, mon objectif est de finir le jeu. Donc, normalement, si tout se passe bien, il faut que je me sorte les doigts, il faut que je réfléchisse. Et il faut que j'arrive à trouver les notes de musique. Notes de musique qui doivent être. Il y a toujours le prophète qui me dit des trucs. Qui vit, où vivent les morts? Un ennemi devenu allié a laissé un objet important. C'était ça le dernier truc. Mais je me souviens plus. Putain, j'ai où là? Je sais même pas où je suis. Mais non, c'est pas là. C'est par là. Ah mais non, j'ai déjà récupéré ça. Ah là là. Attendez, je suis un peu perdu parce que. Là, il y a des morts. Salut, salut à tous ceux qui arrivent. Ouais, je crois qu'on a déjà vu cette zone, mais je la termine en fait, je pense. Je vais bien. Je vais bien. Non, Si, je vais bien, et toi? Faut le temps que je m'y remette en fait. Bon, hop, on va faire comme ça. J'étais trop loin. Pas grave. Non, c'est pas ça, c'est ça. Où je suis? Non, c'est ça. Ici, j'avais jamais été. Ah bah voilà. Bon, je suis. Mon but, c'est pas de faire le 100%, mais. Enfin, je ferai le 100% du jeu, mais de mon côté. Tranquille, quoi. Hop.
Super. Oh non! Abusé. Allez. Ouais, forcément. Si je commence à faire des conneries. Ah cool, du soin. C'est quoi ça? La dernière demeure de Ruxtin. Il semblerait y avoir un mot adressé au messager. Cher messager, si tu lis cette lettre, alors mes calculs étaient exacts et tu as voyagé 500 ans dans le futur. J'étais sincère en disant que je ne servirais plus le mal. J'ai d'ailleurs prévu que mes répliques servent ta cause. D'abord, mon amulette, elle est à toi, puisse-t-elle te rappeler qui je fus. J'ai aussi laissé mon bâton au sommet du pic glacial. Il t'obéira tant que tu porteras mon amulette. Enfin, j'ai arpenté les catacombes et je pense avoir trouvé un passage secret vers une nouvelle région que tu devrais explorer, bien qu'il règne une obscurité totale. Cherche le passage secret dans la salle avec deux chauves-souris et une plateforme mobile. Bonne chance pour ta quête. Ruxtin. Elle sert à activer le bâton du nécromancien, mais où est-il? Bah, je sais où il est. Ah, il est mort, Ruxtin. Par contre, le truc. Ah, bah, c'était ça. J'ai toujours pas le briquet, ouais, c'est vrai. Mais c'était ça. C'était là où tu t'es fait un ennemi qui est devenu ami, il t'a laissé quelque chose. Donc, c'était ça. Devant un magnifique coucher de soleil. Des botanistes affamés étaient trop patients pour leur propre bien. Des botanistes trop affamés. Ah! Je me suis un peu spolié la dernière fois, donc je voulais vous faire genre. Ah, mais ce serait pas. Mais bon, je vais pas vous la faire. Je crois que c'est les deux là. C'est. Pipo et Tito là. Qui t'envoie dans le pic glacial, donc faut que j'aille au plateau torride. À chaque fois, il y a des trucs comme. Mais j'ai toujours pas trouvé les. Faut que j'aille au plateau torride. Attends.
J'ai de la thunasse. Marque l'emplacement de tous les sceaux de pouvoir. Bingo! On va prendre ça. Charge de ki. Santé plus 1. Attaque plus puissante. Ça c'est quoi? 350? 350? Ok, il me faut 350. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il faut que je trouve encore cinq. Ouais, il faut que j'aille là. Non, c'était pas là. C'est là où je veux aller, moi. Non, attends, c'était où? Il y a le dragon. Ah, c'est tout en bas, faut que j'aille. Faut que je redescende. Bon, bah on va redescendre. Attends, je suis où là? Je suis là, donc faut que je remonte pour redescendre, d'accord. Mais non! Super, il n'y a pas plus nul que moi. Voilà. Ah bah gars, il est là. C'est toi le bâton de Roxtin? Ouais, il t'a fallu tout ce temps pour venir jusqu'ici, 500 ans. Monsieur se balade tranquillement pendant que je suis frigorifié ici. Mais je ne te laisse. Je te laisse ici. Le messager aura besoin de toi dans le futur. Voilà ce qu'il m'avait dit l'autre. Un quart d'heure plus tard, j'étais gelé et j'en avais déjà marre. Si j'avais su que tu allais mettre des siècles à venir, en fait, j'aurais pas pu faire grand-chose. Comment est-ce que tu es supposé m'aider? Non, parce que il n'est pas question que j'utilise la nécromancie, moi. Franchement, je sais pas exactement. J'étais obsédé par cette histoire de robe bleue. Il a dit un truc du genre, la tour qui te servait à aller dans les nuages ne serait plus là. Donc apparemment, ma contribution épique, après des siècles, je l'ai ici, c'est de te téléporter de haut en bas quand tu le demandes. Tu veux dire jusqu'aux ruines célestes? Oui, c'est vrai que ça m'aiderait. Et tu peux m'y emmener tout de suite? Tu crois vraiment que je serais resté là à me transformer en glaçon si je pouvais me téléporter? Il n'y a que toi qui peux activer ma magie. Pour ça, il te faut l'amulette de Roxtin. Ouais, mais j'ai pas envie d'aller tout de suite. Je sais pas où il veut m'emmener, mais j'ai pas envie d'y aller. Je dois aller tout en bas. Donc, on reviendra après. Donc, mon but c'est de faire la, c'est là. Mon but c'est de faire la route inverse. Donc on soit pour le dragon, donc j'ai le temps.
Là, j'ai déjà pris. Wow! J'ai volé trop. M'en douter, mais d'un côté, je me suis dit, je peux passer à travers ou pas? Et en fait, non. Alors, off, gouré de boutons. Super. Je me rappelais plus. Oh bordel! J'avais oublié que ça glissait. C'est qui les mecs dans la glace? J'avais jamais vu. Faudra que je m'en souvienne. Alors, charge de ki plus 1, les shurikens transpercent deux cibles. Santé plus 1. Hop. Voilà.
Enfoiré. T'as vu mon copain, il est coincé. Manfred, qu'est-ce qui t'est arrivé? Salut l'ami, c'est une histoire longue et un peu embarrassante. Les cieux élémentaires sont en danger et j'ai besoin de ton aide. Les cieux élémentaires? Oui, ils régulent le climat de notre petit monde. Il faut régler le problème rapidement, c'est beaucoup plus grave que la malédiction démoniaque. Bon, je vais te sortir de là. Je bouge pas d'ici. Ouais, c'est ce que je me disais en fait, je peux rien faire. Bon, bah j'irai aider Manfred plus tard. J'ai pas de pouvoir de feu ni rien. Toujours pas de briquet, c'est mort. Ouais, bah oui, j'ai toujours pas de feu. Bon, je suis pas, comme je vous disais, je suis pas parti pour faire le 100%, mais s'ils sont sur ma route, je les prends. Quoique, j'en aurais peut-être, il faut peut-être que je le fasse en fait, puisque. C'est pour débloquer un pouvoir ou on ne sait quoi, donc. Ah ouais, mais non. Ah si, c'est bon. Ouais, je me suis fait posséder. Faut que j'y retourne. Ah mais je me fais posséder en fait. Ouais, je me fais posséder. Que mon but, c'est d'être dans le futur, donc
Donc ici, il faut que je revienne quand je serai dans le turfu. Enfin, non, pas forcément. Si. Faut que je redescende. Conneuf, tigre. Ça y est, j'ai planté. Par contre, il faut que... Ah bah voilà, là. On fait comment là? Faut un pouvoir de... Là c'est fermé. Ah bah cool, j'ai ouvert le portail. Ah, je suis en train de me perdre. Voilà, juste en fait, j'ouvre la voie et je reviens. On est où? Marais champignon? D'accord. Ah mais marais champignon, faut que je regarde la map. Ouais, écoutez, je... D'accord, c'est bon, j'ai ouvert le truc. Là, il y a de l'eau, donc ok. On y retourne. Bon, apparemment, il va falloir peut-être un pouvoir de glace aussi. Parce qu'il faut le feu pour dégeler Manfred. Et il me faut de la glace pour accéder à droite parce que j'ai rien qui... J'ai rien pour éteindre le feu là, donc...
Mais en tout cas, maintenant je suis devenu, je suis dans le futur. Donc, je peux retourner là-haut. Ça fout, je passe sur le... Oh là là, ça va être tendu. Trop. Trop tendu. Ok, ça me remet là. Oula. Là là. Bon. Mais va mourir, toi. Ok. J'ai compris, le truc il se tue pas. Ah, fait chier! Putain, ça va me remettre tout en bas! Bon, tant pis, je le ferai plus tard. Ah oui, mais... Je suis con, moi, en fait. Je vais prendre de la thunasse. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oula. 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 Enfoiré! Lâche-moi. Mais c'est pas possible.
Voilà. Ah, mais ils sont morts. Ah, dommage. Le chardon de force. Il est temps de sauver deux compagnons, pas très malins, d'une absurde grève de la faim. Ouais, c'est vrai. Et feuilles de thé astral. Le doyen ninja devrait savoir quoi en faire. Ah, c'est vrai qu'il m'avait donné ça, le doyen ninja. Je reviendrai, vous inquiétez pas, je vais aller voir le doyen. On retourne voir papy et on reviendra pour eux. Toute façon, c'est ce qu'il faut. Demain, un magnifique coucher de soleil. Ouais, aussi, c'est ça. Ah, ici, y a rien. Ah, puis maintenant j'ai le truc. Attends, c'est où? C'est ça. 3... Ah oui, 3 sur 4. Mais il est où? Ah, il est là-bas. Ok. Ah bah oui. Ah non, je dois aller dans le passé. Ouais, c'est pas grave, il y a un truc chez dans la ville de départ. Dans le village, il y a un... Pas mal d'aller-retour à faire dans ce jeu, mais bon.
On l'excuse, le jeu est très bien. Voilà. Peut-être je vais avoir un nouveau pouvoir avec le truc astral, je sais pas trop quoi. Là. Bienvenue, jeune aventurier. Mes respects. Voici les feuilles de thé. Un exploit tout à fait extraordinaire. Tu maîtrises donc les méandres du temps. Goûter à nouveau au thé astral. Tu as offert à un vieil homme une joie qu'il n'espérait plus. Merci. Et que la bonne fortune t'accompagne, brave messager. Quoi? J'avais parlé d'utiliser le thé pour développer mon potentiel spirituel et m'enseigner le pouvoir de la vision infaillible. Ah oui, le pouvoir de la vision infaillible. Mes excuses, à mon âge, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Voici une bougie pour toi. C'est ça le pouvoir de la vision infaillible. Ben j'ai le feu. Voilà, j'ai le feu. En d'autres mots, une simple bougie. Merci encore pour le thé astral, j'espère que tu useras un bon escient du légendaire pouvoir de la bougie de en cire. Ouais bah il m'a baisé quoi le vieux. Ah non! Il m'a filé la bougie. Il m'a pas dit qu'elle était allumée. Moi, je peux te filer une bougie. C'est pas comme si, c'est pas avec ça que tu pourras voir dans le noir. Si t'as pas le feu. Et tu veux que je te dise le plus beau dans tout ça? C'est que je sais même plus où il est le truc de la grotte. La grotte engloutie là. Si, c'est ça. La grotte obscure. Faut que j'y aille en fait. Faut que je reste en truc du futur. Faut que je trouve une boutique. Et pour me téléporter directement là-bas. Où est la boutique?
Ah, elle est là. On y va. On va aller dans la grotte obscure et sombre. Non. C'était... C'est où la grotte obscure et sombre? Temple de la mélancolie, c'est au catacombe? Je suis où là? Et où le ninja? Il est là. Et catacombe, c'est là. C'est là. Enfin, c'est là. Ouais, c'est par là. Ah bordel, si je commence à faire n'importe quoi aussi. Alors c'est où? C'est là, hein.
Bon, allez. On y est proche. Et qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je m'en doutais. Je l'ai vu tout de suite. Quand je suis parti, je me suis dit, tu commences à faire n'importe quoi. Oh là là! Oh merde, je l'avais pas vu. J'étais en train de regarder autre chose. Si c'est par là. C'est par où? C'était par en dessous? C'était là? Je sais même plus. Si, je crois, hein. Si, c'était là. Allez, on va voir si on y voit. Ah ouais, on y voit quand même. Bon, je suis mort parce que je ne savais pas où il fallait aller, mais on y voit. D'accord. J'ai compris un peu le truc. Super. Super, super. Ok.
Même avec de la lumière, j'y vois que dalle. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Et voilà, j'ai vu le con. Mais non! Mais oui, c'était... Pourquoi j'ai sorti le... C'est pas possible. Ah oui, bah... Carrément. Mais je... Ouais, c'est pas grave. D'accord. Deux mille, d'accord. Alors, où suis-je? Je crois que tu viens de découvrir la forêt sacrée connue sous le nom de Rivière Turquoise. On dirait qu'il s'est passé beaucoup de choses ici. C'est le moins qu'on puisse dire. En ta qualité de voyageur temporel, tu devrais arriver à la voir sous ses deux formes. Autrefois, les démons régnaient sur cette terre qui était complètement brûlée. Jusqu'au jour où un redoutable messager les chassa et installa quoi? La matriarche papillon, afin de permettre à la forêt de se régénérer et de retrouver la luxuriance d'antan. Ce fut un succès. Donc, puisque je vois la forêt carbonisée dans mon présent, non. Et la version régénérée dans le futur, n'essaie pas de comprendre. Ça voudrait dire qu'il y a eu un messager entre mes deux ères? Ah, paradoxe temporel ou faille dans le scénario? À toi de décider. Pourquoi tout gâcher? Tu ne peux pas simplement apprécier le contraste?
Waouh, ça va être cool. Ah bah super, j'ai déjà loupé un médaillon. Bing, 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 du 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 du. Ah oui, d'accord. Et là, on est dans la version calcinée. Ah, je pouvais descendre par là-bas. Il y avait un truc, d'accord. Pas là. En tout cas, pas là. Waouh! Ok, super. Mais il est où le truc sur le côté? Ah oui, mais non! C'est ça. Ah, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors.
J'aurais dû taper. Ah mais non, je... Ah où je fais ça? Ouais, super. Je suis désolé, hein, je suis pas doué, donc forcément. Dernier essai parce que ça va me saouler et ça va vous saouler aussi donc. Ah oui, j'aurais dû faire le grappin. Bon, c'est pas grave. Allez, allez. C'est bon. On a vu, de toute façon, c'est bien. Super. Je saute trop tôt. Beaucoup trop tôt. Voilà. Ben, oh, j'ai cru que j'étais dessus en fait. Je l'ai vu qu'après qu'il planait. Ah, bordel de merde! Crédit. Mais non! Oh! Bordel! Attends, c'est par là en plus qu'il faut aller. Devant un magnifique coucher de soleil. Ah oui, non, mais ça c'est. C'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible. Non, hein, la distance est pas bonne. La distance est pas bonne. Et voilà. En plus, il y avait des trucs. J'attends même pas! Attends 5 minutes! Regarde autour de toi, réfléchis.
Jamais, tu entends? Jamais. Mais non, qu'est-ce qu'il me fait lui? Bah vas-y, fais ça, refais tes conneries là. Enfoiré! Saloperie d'oiseau! Ah bah oui, il fallait que je saute. Forcément. Salut, salut, Gictor! Très rigolo, très... Enfin, après, si t'as pas de patience, un peu frustrant, mais sinon, très... ouais, très bien. Alors, tac, 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 tac. Comme ça. Et puis, ça a l'air bon. On verra bien. Boum, 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 boum. Boum. Ouais, ok. Normalement, ça passe. Boum, 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 boum. Boum, boum. Boum, boum. Et boum. Alors, comment ça va depuis le temps? On ne s'était point vu.
Alors attends. Ça va, ça va. Alors ça c'est par là. Ça c'est comme ça. Boum, boum, boum. Et ça c'est comme ça. On s'est pas revu depuis le fameux jour où tu devais faire une certaine chose. Est-ce que tout s'est bien passé? As-tu réussi à déclarer? Ah! Je me suis trompé. Alors. Ah, d'accord, oui, effectivement. Si tu te mets des jeux un peu chronophages, forcément. Le boss, là? Non? Bouf. Ouais, la suite, s'il vous plaît. J'allais dire comment je vais monter, mais oui, il y a un mur. Une canonne? Et non, et je suis mort. Super. Ah, ça y est, je me rappelle de où ça vient ce petit truc-là qui ça me disait quelque chose. Le roi lion. Eh oui, c'est le passage dans le roi lion. Les fameux passages dans le Roi Lion avec les singes et les têtes de girafe. Oh là là, c'est pas possible. Ouais. Bon, au moins t'auras essayé. Après, tu peux essayer de devenir ami, mais avant.
Après, ça, c'est une phrase que je comprends pas tout le temps. C'est. Désolé, je sors pas avec les gens que je connais pas. Ah, tu veux sortir avec personne à ce moment-là? C'est une petite phrase qui me trigger. Je suis un boulet! Mais non! Oh, si, c'est bon. Mais bon. Bah non, c'est là. Ok, super, j'arrive super bien à viser. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai touché? Faudrait que je tourne par là-bas. Ah ouais. Fallait faire comme ça. Si je fais ça. Ouais, ça servait à rien en fait. C'est le boss là. Oh là! Bienvenue dans la forêt sacrée, messager. Wow! Qui êtes-vous? Je suis la marâtre papillon. La beauté incarnée. Merde, j'aurais dû lui demander comment s'il avait des infos. Approche, j'ai un présent pour toi. Prends garde. Ne te fie pas à l'apparence. De la matriarche. Ah ouais, d'accord. C'est une chauve-souris, c'est pas un papillon. Tu vois, elle est possédée par un monstre d'une laideur indicible. Tu dois la libérer de ce mal. Hors de ma vue, minuscule créature. Eh, c'est pas gentil. Je disais, approche, messager, et meurs. Bon, le pattern. Faut pas se faire toucher par ça. Ça, je peux pas les toucher. Oh là. Ah, d'accord, ouais, j'ai vu. C'est quoi ce combat de boss? Là c'est plus. La zone est plus petite. Et voilà. Je suis stun. Et quand je suis stun, il faut pas bouger, c'est ça? Attends, qu'est-ce qu'il va me dire? Donne-moi un conseil au moins. Boss du niveau. Une idée de ce qui m'attend ensuite, pas vraiment, mais je crains que le passé de cette terre alterne son futur. La malédiction est plus puissante qu'elle n'en a l'air. Si tu as l'opportunité d'attraper une luciole, fais-le. Ok. Ouais, c'est ce que la luciole m'avait. C'est le truc avec la luciole, quoi.
Ça, je peux pas le taper. Ok. Merci, petite Luciole. Dépêche-toi, petite Luciole. C'est chaud. Jed bien mis dans sa tête. Oh non, pas ça, c'est dégueulasse. Faut que je la tire ici. Ah, fais chier, je suis stunt. Non, fallait pas que je bouge. Ah, je comprends pas le... la technique. Si, ça, en fait, quand je suis stun, ça inverse les commandes. Faudrait que... Faudrait que j'arrive à jouer avec les commandes inversées. C'est un peu tendu, mais bon. Oh, mais non, c'était de l'autre côté! Faut que j'arrive à changer mon cerveau. Puis en même temps, j'aurais dû rester sur place. J'étais stun. Quand t'es stun, tu bouges pas. Ouais, faut pas être épileptique, les gars. Reviens, petite Luciole. Ah, ça a deux stunts en l'air, donc qu'est-ce que j'aurais dû le subir en fait. Ouais, j'aurais dû le subir.
La petite Lucienne, elle ressemble à Navi. Je crois que c'est un petit clin d'œil à Navi. Celle qui fait « Hey, listen !» Et là, ce que je vais faire là, c'est pas, c'est loin d'être la dernière phase. Je m'en doutais, pourquoi j'ai bougé? Putain, je suis un débile. J'ai voulu tenter une nouvelle stratégie, mais ça n'a pas marché. Bah, j'ai un doute en fait, c'est pour ça. Je me dis... Je me dis que là, elles sont pas encore apparues. Il faut attendre qu'il met sa poussière. Là, maintenant, c'est bon. Pardon pour le micro. Allez. Il faut réfléchir. Il faut garder son sang-froid. Non, de l'autre côté. Allez, viens là, ramène ta tête. D'accord, ça me stun, ça m'enlève pas de vie. Par contre, ça oui. Ah bah désolé, je pourrais pas tester. C'était la dernière phase. Je l'ai défoncé. Quel bonheur, enfin libre. Cela fait longtemps que... Trop longtemps, j'ai commis une erreur. Je pensais que la beauté pourrait tout sauver. Merci de m'avoir libéré de l'emprise de cette infâme créature, messager. C'est une sorte de leçon sur les apparences qui peuvent être trompeuses. Et auquel on ne doit jamais se fier. Absolument. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Enfin, si l'on peut parler de bouche pour un papillon. Quoi qu'il en soit, tu as été d'un grand secours. Permets que l'une de mes lucioles t'accompagne dans ton périple. Je suis sûr qu'elle se montrera utile dans les pires moments. Ah, j'ai récupéré la luciole. Assez puissante pour lever une malédiction mineure, elle peut aussi vous aider contre les forces du mal.
Tu me rappelles... De quoi? Ah, d'accord. Tu me rappelles tant la moine qui m'avait sauvé autrefois. Je me demande ce qu'elle est devenue. Adieu, messager. C'est vrai, ça? Elle est où, la moine? Elle est peut-être morte. Ça fait 5000 ans, je crois. Oui! Enfin, je crois. Serait-ce 5000 ans? Je ne sais plus. Du coup, bah là. Du coup, on va aller revoir Pipo et Poppy là. Par contre, comment on s'en sert de la luciole? Appuyer. Non, assez puissante pour briser la malédiction mineure. Elle peut aussi vous aider contre les forces du mal. Ouais, ok. Attends, faut pas que je fasse de conneries. Est-ce que je suis en train d'en faire une? J'ai un doute. Ouais. Ah oui, donc t'as pas vu le début en fait. En fait, la première partie de ce jeu, tu le passes comme ça, en fait. Avec le ninja comme ça, tu démarres en 8 bits pour arriver après dans le futur en 16 bits. Et après, la deuxième partie du jeu, tu voyages dans le temps. Parce qu'entre la partie 8 bits et la partie 16 bits, il y a, je sais plus, il y a 500, à 500 ans ou un truc comme ça, je crois. Et donc après, tu peux voyager entre les deux périodes, les deux époques. Je dois leur parler, ouais. Faut essayer.
Bouge surtout pas, petit gars. Ah, ils vont encore me propulser. Bam bam! Sauf que là... Bon, si on faisait une sieste. Je dirais même plus. Et si on faisait une sieste. Merci pour tout, petit gars. Et ils m'ont emmené autre part. Voilà. Je vais aller voir Michel. Je vais lui parler de la zone. Il n'y a pas de... Voilà. Donc. La prophétie. Où le soleil est la lumière douce. Une petite créature est paralysée par la peur. Où le soleil brille. Et l'humeur est douce. Ouais, je sais où aller, la petite créature qui a peur. Casse les noisettes avec son énigme. Je vais bientôt le... Demain, sur ma chaîne YouTube, j'aurai mis la première partie. L'épisode 1. Ouh là là. Je vais l'uploader là tout à l'heure. Enfin ce soir quoi. Et demain sera. J'ai rien pigé. Ah, d'accord. C'était là en fait. Et merde. Voilà ma note du musique. La deuxième. Ou la première? Non, je ne sais plus. Non, je crois que c'est la deuxième. Ah, bah c'est gentil. Vous avez reçu la clé de la force. Ah bah oui, la force des deux autres. Ouais. Création spontanée, courant les fabuleux exploits de... Voilà. L'une des clés nécessaires pour composer une mélodie qui brisera la malédiction. Donc ça fait un de plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Où le... Ah oui, faut que j'aille voir. Faut que j'aille au temple de la mélancolie. C'est vrai. Par contre. Non, ça c'est la montagne. Il faut que j'aille aux catacombes pour remonter. Ou faut que j'aille de l'autre côté? Il manque 1, 2, 3, 4. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, attends. Tac. Temple de la mélancolie. Les bambous. C'est ça. Est-ce que je... Non, ça, c'est la grotte de Hurlevent. Elle est où, la grotte de Hurlevent? Elle est là. Ça, c'est la rivière turquoise. Donc non, ça m'intéresse pas. Donc c'est ça. Il faut que... En fait, il faut que je remonte. Tac, 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 jusque là-bas. Ok.
C'est là. Oh, on va aller chercher la pièce en même temps. On va en profiter. Ah là là, je m'en doutais, j'aurais jamais dû faire ça. Je le savais que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû. Peut-être j'aurais dû voler, en fait. Enfin, j'aurais dû planer comme ça. Non, je t'ai juste remercié quand tu m'as. Quand t'as marqué que t'étais abonné sur YouTube. Voilà. Est-ce que je l'ai pris celui-là? Ouais, non, même ils disent que je l'ai. Ouais, ils disent que je l'ai pris. C'est là, hop. Non. Tac. C'est bon. C'est là. Ok. Bah je peux pas y aller. Parce qu'il faut que il faut que j'aille dans le passé. Tu peux pas m'aider, Papillusion là? Non. Aïe! Pourquoi je me prends des trucs aussi évidents? Bon, on va voir le petit, hein. On verra bien. Ouh là là! Bon, s'en fout de lui. Petite sauvegarde. Oh là, il est où le petit? On est arrivé. Normalement, il y a le petit qui est là. Ah bah, il y a le petit. Qu'est-ce qui t'arrive, petit?
était censé me retrouver ici. J'espère qu'il ne leur a rien arrivé de grave. À ce rythme, le pont ne sera pas réparé avant 9500 ans. Qu'est-ce qu'il va me dire le prophète? Où le soleil brille, une petite créature est paralysée par la peur. Bah oui. Attends. Est-ce que ça change? Est-ce qu'on se le fait? Pardon. Bon, on va essayer de retrouver ses potes alors apparemment. Super. 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 Non mais c'est bon, au bout d'un moment. Bon bah décidément. Comment je vais faire pour retrouver ses copains lui là? J'en ai retrouvé un. Et j'ai pas réussi à lui parler. Quand j'étais ouais, quand j'étais dans le passé, je les ai pas vus. On va essayer dans le futur, on verra bien. Attends. C'est où qu'ils peuvent être ces cons-là? Est-ce que ça change quand c'est... Non, c'est pareil. Ah merde, il aurait fallu que je sois dans le passé pour aller là. Bah non, c'est bon. On s'en fout en fait de là. Ouais. J'ai un doute, hein. J'ai un doute. J'ai un doute sur la prophétie, là.
En fait, dans le truc de la prophétie, je peux demander au... Eh merde. Au vendeur, là. Qui m'aide. Bon, bref. Mais il va me prendre 300, quoi. Et si me prend 300 et si c'est pour me dire bah si c'est le petit en fait il est bien gentil mais le petit j'ai été le voir et je sais déjà ce qu'il veut. Par contre ça va pas me dire où ils sont les autres. Et ça c'est pas cool. Parce que je sais qu'il y en a un là. Il y en a un en dessous. Que je peux pas aider parce qu'il est dans le, comment on appelle ça? Il est dans de la lave. Le petit de la lave, j'ai été le voir juste avant en fait. Et y a rien à faire. On va regarder s'il y a personne dans les parages en fait à chaque fois, si je peux croiser un. C'est là. Tiens, on va aller voir là-haut. Merde. Tiens, hop. Bien que ça, j'ai déjà été. Enfin, j'y suis déjà allé, pardon. Ouais, il est pris. Donc. On va continuer d'avancer, hein. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, on va aller voir le vendeur. Allez. Il va peut-être m'aider. Ah, trop pressé. Bon, c'est pas grave, ça va me coûter 300. Je dois acheter un truc à 2000, mais j'ai le temps. Super.
Voilà, comme ça ils arrêteront de m'embêter. Non mais dis donc. Là, faut pas mourir comme une victime. Hop! Conseil. Ouais, me dit somme de 300, ouais. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Ça va m'aider. La jungle de bambou. Alors, la jungle de bambou. Bah, on y va, hein. C'était juste après, je crois, en plus. Ah si, faut que je descende. Y a rien au-dessus. Ah si, il y a ça. De la thune. Faut que je me... Ça fait plaisir. Ah, c'est là, je suis débile. Ah, bordel. Mais oui, le timing. Ok, merci beaucoup d'être venu, à la prochaine. Non mais c'est bon. Ah là 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 là.
Donc ouais, j'étais pas au bon endroit. C'est vrai que j'avais pensé au bambou. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait une petite bête dans l'eau. Ah oui, c'est... Ninja. Ah oui, c'est vrai qu'ici c'était fermé. C'est là-bas au fond qui était fermé. Bah, il est toujours fermé. Fait chier, c'est quoi ce délire? Qui me fait lui? Ah, c'est un raccourci pour là-haut, d'accord. Je m'en bats le zbeub. On s'en bat en fait du raccourci. J'étais où? Ah oui, j'étais là, je me suis trompé, j'ai confondu avec un autre endroit. Bon, on continue. Oh! Oh oui, je me suis bien fait avoir. Je regarde vite fait, hein. En 16 bits, elle est belle la forêt de bambou. D'accord. Il faut activer quelque chose. Ah, moi qu'il faut passer en dessous. C'est moi ou c'est tendu là?
Ah, bordel, ça a pas marché. Mais je pense que je tiens quelque chose. Je pense que le fait de voler, ça peut le faire. Oui, c'est vrai, je ne vole pas, je plane. Merci pour ce... Oui, c'est vrai, merci pour cette rectification. Ah oui, c'est là. Que suis-je bête? Bon, pour l'instant, tu vas bien. Sauf là où je suis en train de me faire dépouiller. Bah oui, j'ai l'art de choisir, moi. Ah oui, c'est là-bas en bas. Non, mais c'est normal, tu fais des conneries, t'as su, tu... Voilà. Ah mais non! Bon bah je suis mort.
Ok. Attends, je fais comment aussi pour aller là? Non, c'est pas possible. Attends, il y a un truc que j'ai mal vu. Ah, c'est là. Ah non, j'avais pas vu. Excusez-moi, hein. Ah, voilà. Ah bah il est là, Chou. Claustro, j'imagine. Sacré épée que tu promènes là. Comment tu t'es retrouvé piégé ici? Ah oui, tu trouves c'est ironique toi aussi. C'est une histoire assez gênante que je n'ai pas le temps de raconter parce que je dois absolument retourner travailler. Merci de m'avoir remis les idées en place. Et il se téléporte. T'aurais pas pu te téléporter sans Mi? Enfin, sans moi, je veux dire. Bah voilà! Qu'est-ce qu'il me dit, les prophéties? Où la malédiction est la plus puissante, un coquillage magique attend celui qui n'a pas peur de la noyade. Où la malédiction est le plus puissante, bah, je dirais dans le bas monde infernal, non? À ton avis? Enfin, à votre avis dans le chat? Mais moi, je dirais ça. Ou les rivières turquoises?
C'est une technique de speedrun. Alors. Bon, vous savez quoi, hein? On va pas se casser la nénette, hein. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Ou la malédiction il... Attends. Ou la malédiction est la plus puissante? Un coquillage magique attend celui qui n'a pas peur de la noyade. Et quand tu parles, j'ai du mal à comprendre la prophétie, je veux peut-être t'aider. Ou la malédiction est la plus puissante, voilà. Un coquillage attend qui n'a pas peur de la noyade. Il est vraiment incroyable. Et là, oui. Marée des champignons. D'accord. Ah bah voilà. On y est. Ah oui, mais... Il change tous les 5 minutes le truc. J'aurais peut-être dû y aller dans le futur, non? Ah non, c'est là, le marais des champignons. Des champignons, bah ouais, mais j'ai pas besoin d'aller ici en fait, moi. Comment je fais pour me barrer d'ici? Ah bah voilà, je peux me barrer par là. Le marais des champignons. Est-ce qu'on a débloqué une route? Ah mais non, c'est pas là. Ça c'est la grotte de Hurlevent. C'est où la grotte de Hurlevent? C'est là. Ah mais si, je suis là, je suis peut-être plus proche de la fin en fait. Est-ce que je suis proche de la fin? Ouais, je suis plus proche de la fin. Bah ouais, on va faire ça. Voilà. Ah, fait chier. Je commence à faire n'importe quoi et ça va pas. Voilà. Je suis où là? Ah, je suis là.
Mais non, c'est pas là, faut que j'aille à droite. Ah ouais, mais faut que je sois dans le passé. D'accord. Et c'est où qu'il y a un truc du passé? Là. Bah oui, bah fais des trucs comme ça. Oh, ça a l'air de puer ça. Je le sentais bien que ça puait. Et quand ça pue... Mais non! Mais non! Bon, bah comme dirait l'autre, hein, je reviendrai plus tard. C'est là, hein? Ouais, c'est celle-là. À force, on ne sait plus. Ah oui, mais si, il faut que je monte. Et voilà, je suis mort comme une... Comme quelqu'un qui meurt.
Ouais, je me doutais que c'était de la merde. Je suis un débile profond! Mais profondément même. Putain, le mec il arrive à me tuer comme ça quoi. Mais qu'est-ce que je fais en fait là? Faut se calmer là. Il a parfait un golem. Alors, oh bah ça va, c'est pas loin. Mais c'est pas possible de se faire bolosser comme ça. Truc en dessous.
Ah, il y a de la thune. On prend, j'en ai besoin. Attends, mais j'ai fait n'importe quoi en fait. Non mais il me tue, il me tue, il me tue comme ça. Ouais, c'est là-bas. En fait, j'ai été trop loin. Ce serait l'homme et dans une autre époque? Attends. Que je vérifie un truc. Ouais non, c'est fermé. Mais dans le passé... Dans le passé, c'était fermé, ça. Ouais, voilà, c'était fermé. Dans le passé, je peux pas y aller. Si, à moins que... Si je fais ça, non, je vais mourir. Ah, je pouvais le faire dans le passé aussi. Ça, fallait le savoir, ça. Bon, bah je suis mort. Il y a un truc que je comprends pas. Ils me disent que c'est là. Prophétie. Ou la malédiction est la plus puissante. Un coquillage magique attend celui qui n'a pas peur de la noyade.
J'ai pas vu d'eau, moi. Après, ce serait la noyade dans le sable. Parce que le truc, c'est que j'y suis. Bon là j'avoue j'ai fait n'importe quoi. Mais il faudrait peut-être que j'aille dans le passé. On va y aller dans le passé, on va voir ce qui se passe. C'est peut-être dans le passé, hein. Ah, fais chier, bordel. Je fais n'importe quoi. Ah mais oui! Purée, 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 pomme de terre. Allez, il faut que je le sache, hein. Il faut que je sache où ça se trouve. Ça doit être dans le futur. C'est dans le turfu parce que dans le passé, non, je pense que c'est pas dans le passé. Oh bah il m'a donné tout, c'est bon. Mais non! Je me suis gouré de boutons! Mais je vois pas, il me dit que c'est là! Et j'ai fait le tour, j'ai rien vu! Ah, moi je serais aveugle!
comprends pas. Il me dit que c'est ici. Je suis pile poil dessus. Je suis désolé, je vois pas de coquillage. Ma malédiction la plus puissante, ouais. Un coquillage magique attend celui qui n'a pas peur de la noyade. Mais non, il me dit que c'est dans l'autre salle. Comprends quelque chose, toi? C'est ici, mais c'est dans le passé en fait. Ah non! Quelque chose qui me dit qu'il y avait un objet magique ici. Peut-être que si j'ai... Ouais, tu vois, c'est ça. Non, c'est ça en fait. Mais non! Pourquoi tu y vas? Je ne veux pas que tu y vas. Ouais, donc c'était ça alors, c'était le passé. Tu peux même l'avoir dès le début du jeu alors. En fait, dès le début du jeu, tu tombes ici, et bam, tu vas chercher le coquillage. Voilà, vous avez un coquillage magique. D'après la légende, ce coquillage permet à son porteur d'entendre l'appel des profondeurs. Où le vent gèle les eaux, un vieil ennemi attendu contre sa volonté pour aider le messager. Ah donc là il faut que je remonte, d'accord. Là c'était là-haut. Mais par contre, par contre. Par contre, je sais plus ce qu'il attendait aussi. Je sais plus ce qu'il voulait. Ah oui, c'est ça. Téléporté jusqu'aux ruines célestes. Chaleur. Attends. Un vieil ami attendu contre sa volonté pour aider le messager. Contre sa volonté. Si, c'est ça, c'est lui alors. Je retourne aux ruines célestes. Enfin, je veux aux ruines célestes. Ah voilà.
Ça a marché, je bouge pas d'ici. Au cas où tu aurais besoin d'y retourner. La vue est géniale. Aurais pas pu me laisser ici plutôt? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit, prophète? Où vivaient les géants? Une petite créature est paralysée par la peur. D'accord! Alors, dans le truc céleste, il faut que je retrouve un petit paralysé par la peur. Oh merde! Ah non, ils m'ont mis dans. Ah oui, mais j'étais jamais venu en 8 bits ici. Oh, la méga thune. Bah oui, forcément, je suis débile. Target, hop. 2000 piles. Attaque plus puissante en maîtrisant la patience et la concentration. Ok. Ah d'accord, faut que j'attends un peu pour taper. Ok. Non, ça c'est de la mort. Oula! Merde! Non, je dois faire ça, planer, machin. Ok. Voilà. Ah, c'est pas dur. Alors, je sais pas s'il y a un New Game Plus dessus. Ouh là là, ouh là là, qu'est-ce qu'il fait? Bah alors? Ah, je peux rester là. Ouais, ok, super. Ah, c'est ici, mais c'est dans le turfu. Mais non. Voilà. Mais non, c'est pas. J'ai du mal à me repérer en fait. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là, je fais des bêtises.
Ouais, c'est ça. Ah non, ah non. Ouh là là. Et je dois monter? Je sais même pas par où je dois passer. Je dirais par en bas, mais... Si ça, ça me fait monter. Voilà. Ah merde, c'est fermé! Pourquoi? Ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais il est pas gentil, lui. Crache dessus. On est là. Intéressant. Déjà j'en tue un. Ce sera un de moins qui me fera chier. Mais non! Je voulais pas qu'il s'accroche au mur. Ah, trop tôt. Hop. Hop.
Ça va, je me suis plutôt bien débrouillé. C'était pas dur, mais... Je regardais le fantôme. Bah oui, forcément. Si j'attends. Il ne faut pas attendre. Ouh là là. Ah bah là, le temps que ça revient. Je suis où? Je suis là, hein. D'accord. Une, deux, trois trucs, quatre. Ouais, ça, il est là. Il est un peu plus sur la droite. Ouh là là. Qu'est-ce qui... Ah oui, il n'y a pas de sol, d'accord. Ah oui, d'accord. D'accord. Paf, et là je pouvais sauter et bam, d'accord. Mais oui, ça l'a défoncé, l'autre. Voilà. Oh là! Non, non, non! Pourquoi il l'a touché? J'ai du mal, complètement, mais bon. Ça, on va dire que c'est acté hein, maintenant que j'ai du mal. Full stress. Que je regarde.
On est où? On est là, d'accord. Ah merde. Voilà. Alors. Ça me dit qu'ici, on peut descendre. Ou non. Oh non, c'est pas possible. Ah, je pensais que c'était une boule, j'allais dire waouh, comment on va faire? Mais en fait non, on fait ça. Alors. Tiens, meurs toi. Ah, on se repose. Pour l'instant, tout va bien. Là, je l'ai déjà eu. Et merde. Pas grave, on va remonter. Alors.
Super, super, super. J'ai fait n'importe quoi. Comme ça, je suis mort. En train de faire, là je suis en train de faire n'importe, là j'ai fait n'importe quoi. J'ai sauté, j'ai fait tout, mais j'ai rien touché. Allez. Pas eu, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Je suis perdu, je sais pas quoi faire. Je suis dans les airs, je sais pas quoi faire. Non mais attends, ça va pas. Oh là là là, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas. J'ai un truc. Là, j'ai un truc dans ma tête qui me fait que. Que je fais n'importe quoi. Et le problème, c'est que. Voilà. Le problème, c'est que comme je fais n'importe quoi, bah. Voilà, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. D'accord. Ah bah il est là, Pichou. Pichoun! Salut petit, tu n'es pas blessé? Bonjour, bonjour. Je m'appelle. S'appelle comment? Accro? Comment tu t'es retrouvé coincé ici? Ah oui. Tu trouves c'est ironique toi aussi, une regrettable mésaventure que je n'ai pas le temps de te raconter parce que je dois absolument retourner au travail. Merci de m'avoir remis les idées en place. Non. Bah, de toute façon, c'est bon, je l'ai fait. Sous les veines d'émeraude, un labyrinthe singulier causera la perte de tous ceux qui ne sont pas familiers de l'appel des profondeurs. Dans les veines d'émeraude.
Dans les veines d'émeraude, c'est ça, c'est la grotte du Hurlevent. Non? Si, ça a l'air d'être ça. Combien il me reste? 28 à trouver, ouais. Au pire, regarde, on va pas se faire chier, hein. Regarde bien. Ah non, c'est les grottes de Hurlevent. D'accord. Bah tu vois, j'avais tort. Alors, grotte de Hurlevent, c'est ça? Non, c'est plateau torride ça. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est là. La grotte de Hurlevent. Je suis là. Faut que je remonte. Ah mais merde! Alors que je regarde, ouais, c'est par là-bas. Il est où le... C'est bien ce que je me disais, hein. C'est pas là. Hein. C'était là à gauche. Je suis où? Je suis là. Je suis revenu là? Ah non, c'est un autre endroit, ok.
Ah merde, j'ai pas vu. Alors. Non, c'était là-bas, c'était en dessous. Ouais, bah je pensais avoir fini aujourd'hui, mais niette. Mais non, en fait, je me suis trompé de trou. C'est pas là, c'est à côté. Attends, on va revenir dans le futur. Ah oui, d'accord, ouais. Non, non, mais je comprends, d'accord. Je viens de comprendre. Voilà. J'espère que le truc il fout pas ma gueule parce que là. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est, une nouvelle zone? Ou une grotte? Une énergie étrange émane de cette porte scellée. Deux alvéoles semblent réclamer leur emblème.
D'accord. Bon, on va essayer de trouver. Oh là! On peut pas passer là! Bah ouais, ça a l'air nul là. Enfin, nul. Ça avait l'air compliqué là. Ah non, faut peut-être monter. Ah, il y a peut-être une montée des eaux à faire. Bon, déjà, il y a ça. Règle numéro 1, on ne crache pas sur le pognon. D'accord, il y a un truc, faut monter, faut descendre, ok. Ici, on peut monter, non? Non. C'est ici qu'on peut monter. Pas très gentil, mais bon. Ah bah oui, non mais... Carrément. Patience, la patience. Il faut pas oublier ça, la patience. La pa Mais non, j'aurais dû faire de la pa j'aurais dû faire la patience, comme j'avais dit. Alors, regardons ça. D'accord. Aïe! Heureusement qu'ils ont prévu, ils ont prévu du soin. Dans l'hôtel englouti d'une religion oubliée depuis une éternité, une note de musique attend. Ok. On fait tout ça pour la note de musique. Peut pas passer.
Ouh là non. J'ai vu, ici il y a un trou. Vous avez reçu les sandales Toby. Vous pouvez maintenant courir sur les surfaces liquides en maintenant RT. Pensez juste à ne pas arrêter avant d'avoir atteint la terre ferme. Ah, c'est génial! C'est bizarre, compliqué, mais génial. C'est pour ça que j'ai fait tout ça? Ah oui, maintenant je peux faire ça. Et je peux mourir comme... mourir comme un sale. Eh oui, maintenant je peux courir comme Naruto. Pourquoi j'ai sauté, moi? Est-ce que j'avais besoin de passer dans le futur? Je ne sais plus. Mais au moins, c'est fait. C'est dégueulasse. Il m'a bloqué. Mais non! Bah ouais, j'ai été bloqué. Non mais... Et ça se moque, c'est pas gentil de se moquer.
Oh, j'ai cru qu'il allait jusqu'au bout. D'accord, le temple il n'a plus d'eau. Ah, et puis il faut que je remonte maintenant. C'est bien, j'aime beaucoup ces mécaniques. Les mécaniques du jeu sont pas mal, hein. Franchement. Ça me fait bien plaisir. Merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ce qui m'embête, c'est qu'on arrive bientôt à la fin de l'heure de jeu, on va dire. Et j'ai toujours pas. Bah c'est pas tout, c'est toujours pas la fin du jeu. Donc d'un côté. Bah d'un côté je trouve ça cool parce que ça me donne plus de. Ça me permet de jouer plus. Et d'un autre côté, bon bah. Bon, disons, bon, c'est pas grave, ça fera plus de live comme ça. Aïe. Aïe. J'aurais peut-être pas dû appuyer. Oh, merci pour le soin. Il est où mon ninja? Il est là. Si je fais ça. D'accord, c'est pour aller chercher de la thunasse. Oh bah c'était cool quand même. L'emblème du soleil. Est-ce que cela n'aurait pas à voir avec le portail des deux? Bah si, carrément. Oui, ouais, on va s'arrêter là. On va...
Bon, bah, j'ai mis le soleil. L'emblème du soleil est en place, mais notre période est vide. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai bien avancé là, j'ai bien. Je suis content. Parce que j'étais un peu perdu la dernière fois, mais là j'ai bien avancé. Ça se peut que la. Est-ce que je coupe et je rajoute ou je sais pas. Je verrai bien. Ou je laisse tout. Comme ça on voit la progression de quand je galère et quand je me sors les doigts. Donc bah merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Moi ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de continuer et de finir le jeu, mais j'espère que je vais pouvoir y retourner pour y jouer tout ça. Peut-être avec un New Game Plus ou un truc comme ça, on sait jamais. Et puis vous savez quoi? Ça sera peut-être le premier jeu que je vais faire, mais ce sera le premier jeu où on va faire le 100%. Avant de tuer le boss de fin, on fera le 100% du jeu. Enfin, 100%. Ça veut dire qu'on ira chercher toutes les notes de musique et on ira chercher toutes les médailles. C'est ça ce que j'entends, le 100%. Ça prendra du temps, mais tant pis. Au moins, moi je m'amuse. J'espère que vous allez bien vous amuser aussi. Ouais, je fais peut-être comment dire, des projets sur la comète, mais on verra bien. De toute façon, on verra bien comment ça se goupille. Pardon. Bah, de toute façon, les notes de musique, on est obligé d'aller tous les chercher, je pense. Pour la malédiction, donc ouais, ce sera peut-être les pièces, on y aura, ou je le ferai peut-être en off, je sais pas. Ah, je ferai peut-être en off les pièces. Ah, je sais pas, on verra bien. On verra bien. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis, prenez soin de vous, et ciao les amis.